Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte du troisième épisode House of H, qui est une trilogie par rapport à The Dark Picture Anthology. On a eu Man of Medan, Little Hope, et cette fois-ci, bah, Halloween arrive, on a celui-ci. La particularité, c'est qu'on est un petit peu au niveau militaire, c'est la guerre, il va se passer des choses surnaturelles qui vont sans doute faire peur. Je tiens à préciser que le jeu va sortir le 22 octobre 2021. Merci à Bandai Namco de m'avoir envoyé un accès pour vous préparer la vidéo tranquillement. C'est bien entendu développé par Supermassive Games. L'aventure se passe sur PlayStation 5 pour cette vidéo, mais ça sort aussi sur PlayStation 4, Xbox One, la série XS et PC. En espérant que ça vous plaise, c'est rare que je fasse des jeux d'horreur, donc mettez votre petit like, mettez un petit plaid, une petite couverture, un petit thé, un café, une boisson chaude, et franchement, je pense qu'on va se régaler. Allez, sans plus tarder, let's go! Pas mourir. Silence! Tes paroles ne valent rien ici. Ton sang est le prix exigé par notre roi. Ton sacrifice nous protégera de sa malédiction. Général Malakir, pardonne-moi, le roi requiert votre présence immédiate. Les dieux te font grâce. Pour l'instant. Ramène-le dans sa cellule. Bien tout près. De la chance? Non. Ces chiens n'en auront aucune. Général, nous devrions partir d'ici. Le roi, sa folie menace de tous nous engloutir. Ce temple, il est maudit. Plutôt mourir dans ce lieu maudit que périr de maladie ou de famine. Nous avons reçu des ordres. Le dieu de la lune t'a envoyé détruire mon royaume. Je le sais, jeune fille. Rien n'échappe à mes yeux. Regarde, autour de toi. Cette salle n'a-t-elle pas suffisamment compensé mes erreurs? Les dieux ne se repaissent-ils pas de sa beauté? Les goutis approchent, général. Le dieu de la lune envoie une armée pour nous détruire. Je rassemble nos troupes sur le champ. Bien. Et qu'en est-il d'en bas? Il y a des centaines de prisonniers, mon roi. Les sacrifier prendra du temps. Le temps est ce qui nous fait cruellement défaut. Peu importe. Tout le sang de cette armée nourrira le désert. Le sacrifice sera bien accompli. En commençant par celle-là. Dites-moi, général. Vous rappellerait-elle quelqu'un? Mon roi. N'est-elle pas le portrait de votre propre fille? Quel âge aurait-elle aujourd'hui? 18 ans. 18 ans. Quelle tragédie que cette épidémie. Tuez-la. À vos ordres. Ah!
Dieu, donnez-moi la force. Aide-moi à goûter.
se passe? Qu'est-ce que les Acadiens ont fait pour libérer une telle puissance? Nous sommes maudits. Notre roi nous a tous maudits. Nous vous prenions pour des démons. Attends. Le roi a pillé le temple de Nippur. Il a bâti cet endroit pour obtenir le pardon. Mais les dieux n'ont pas écouté. À présent, lui aussi est silencieux. Mon roi. Vous êtes un homme libre maintenant. Comme nous tous. Libre ? De mourir, oui. C'est votre temple. Que peut-on faire ? Il y a une issue par les catacombes. Et je dois vous croire. Comme si tu avais le choix. Gardien ! Attendez ! Viens m'aider un peu. Appuyez plusieurs fois sur rond. Oui, juste pour vous dire que je parle pas beaucoup, c'est normal. Je vous laisse kiffer comme si c'était un film ou une série. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Viens, suis-moi. Il y a un passage dans ce tombeau. Oui, pour les ouvriers hors d'usage. Viens. Appuyez en croix. Oh, d'accord, j'ai compris. Y'a pas de problème. Oups. Je voulais tester triangle. J'aurais peut-être pas dû. Un Acadien qui a peur d'un rongeur. On aura vraiment tout vu. Combien d'hommes sont morts pour notre roi? Their sacrifice brought him nothing. Maintenez R2 pour prendre les objets et avec le stick de droite pour tout simplement analyser. Ouh, il m'a fait flipper. J'avoue, je vais pas vous mentir. Ah bah voilà, de toute façon on peut jouer un petit peu. J'avais peur que les 20-30 premières minutes du jeu soient uniquement de la cinématique, même si c'était extrêmement bien. J'ai hâte d'en faire plus et de vous partager ça. D'ailleurs, je l'ai peut-être pas forcément dit, mais sachez que le jeu sera fait en live le soir même sur Twitch, donc venez. D'accord, une prémonition, faut faire attention, ça va arriver, ça veut dire. Mais oui, comme je vous l'ai dit, le lien dans la description, ce soir, à partir de 23h, personnellement, je ferai mon petit live et tout, donc si vous voulez passer un bon moment avec nous, là, et bien rigoler ou avoir bien peur. Passez devant. Ça ne risque rien. J'ai dit, passez devant. Quel est cet ornement que tu portes? Rien qui puisse intéresser un Acadien. Comment allons-nous sortir d'ici en vie? Alors, sauf plutôt ta peau, franchement, faut qu'on soit ensemble. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Entrez dans l'eau. Il y a toujours de l'espoir. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Après, c'est qu'au début, j'ai pas parlé, qu'on avait... Oui, j'ai voulu tuer la femme. Je
pensais que c'était le but de base. Après, si je referais le jeu, je pense que je ferais peut-être un peu plus attention. Oh, lui me fait assez flipper. Mais là, voilà, j'ai fait des choix un petit peu méchants. Je verrai ce que je ferai en live, on verra bien. Encore une fois, n'hésitez pas. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le jeu est faisable en coop. Vous l'avez peut-être compris. Hein. Il n'y a pas d'issue. Notre seul espoir est de combattre ensemble. Non! Si on fuit tous les deux... On meurt tous les deux. Prépare ta lame. Franchement, et pour le coup, je vais combattre. Allez. C'est là que se termine la découverte. J'aurais pas beaucoup parlé, mais c'est pas plus mal. Vous aurez vu le prologue, le chapitre numéro 1 du jeu. Après, ça aboutit sur, entre guillemets, une guerre qui est récente. Je crois que ça se passe en 2003,
si je dis pas de bêtises, au niveau des dates. Mais je vous laisse la surprise pour ceux qui aimeraient faire le jeu de leur côté ou de venir en live pour passer un bon moment. En tout cas, j'espère que vous avez passé un moment agréable avec moi. Et puis sinon, bah, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!